le novelliste, pour demander, fais une photo pour nous deux marchés en Haïti. Bon, oui, moi, je me dis que Haïti mange en pile œufs. C'est un produit qui vient de plus en plus important dans sa Haïti mange, surtout avec Vilio qui grandit. Donc, œufs sont bagailles qui préparaient bien rapide, qui mangeaient bien rapide et qui conservaient bien. Il n'y a pas besoin d'un frigidaire, il y a conservé en bon temps. Et c'est un produit qui gagne une très grande valeur nutritionnelle. Ça veut dire qu'il vraiment gagne en pile protéines, sont très bons produits pour monde manger. Donc, et depuis que tu as dit que nous passons d'une population rurale, un des mondes qui traitait dans une zone agricole, il y a 80% dans Haïtien qu'on y a là. Il y a seulement peut-être 40%, et puis la ville gagne à peu près 60% de monde. Donc, un produit qui a cuit facile, rapide, facile pour le monde qui est dans la rue, eh bien, c'est un produit qui a vendu. Et c'est ça qui fait que la consommation a augmenté en pile dans le pays pendant 20 dernières années, 20, 30 dernières années, que la ville a grandi en pile. Mais nous avons une production nationale parce que c'est poules qui produisent œufs pour le pays. Quantité œufs on pour le pays produit. Les cas produits ont 40, ont 50 œufs dans une année parce qu'il faut le couver, il prend repos. Tandis que poules blanches que yo fermé dans cage, qui pas couvé ou pas quitté ou couvé, puis c'est des races que yo fait sélection sur yo pour yo produire en pile, yo bah yo en pile manger tout, manger qui très très concentré. Yo même yo capable bailler n'importe 300, 320 œufs dans une année. Donc nous pas de gagner élevage ça qui était développé jusque dans année début 2010 comme ça c'était on 20 000 on produit à peu près 1 million d'œufs par mois alors que nous t'ai consommé 40 50 millions d'œufs par mois. Donc pour œufs ça yo sorti et Saint-Domingue et yo t'ai sorti Saint-Domingue. Œufs américains pas tellement sorti Haïti pas vraiment venir Haïti parce que yo plus cher, et c'est pas tant qu'on vient pour glacer qui sortit des États-Unis, mais œufs, c'est surtout Saint-Domingue qui ban nous, essentiellement qui était ban nous œufs. Qu'on y a là, dans l'année 2011-2012, depuis 2009, t'es venu qu'on problème maladie Saint-Domingue, et gouvernement t'es bah, des restrictions pour tout produit qui sortit dans volaille rentré à Haïti, et pendant ce temps que nous venons commencer à gagner bah barrière pour œufs dominicains quand pile monde qui investit dans production œufs dans pays qui fait que de 2011 à 2016 nous sorti de 1 million œufs n'a produit nous t'est venu monter à 10 millions œufs et nous t'est arrivé presque arrivé dans 20 millions œufs jusqu'en 2018 l'autre jour là parce que gain gros investissement qui fait pour production œufs qu'on seule compagnie qui était les Haïti Bowlers, ils étaient arrivés à gagner presque 1 million poules qui pondent chaque jour. Donc, ils ont même seuls, ils ont produit presque 800 000 œufs chaque jour. Si vous n'étiez pas 30 jours, ou après que ils étaient en train de prendre plus que 30 à 40% marché. Donc, jusqu'en 2018-2019, le pays d'Haïti a commencé à produire presque moitié œufs que nous consommions parce que les plus faciles pour marché acheter des œufs. Non, mais en compagnie haïtienne, que les gens des frontières allaient chez eux, tout bagaille ça y est. Et puis, beau, crise là est tombée. Insécurité, 2018, on croyait que perdu en pile et poule. Et puis, Haïti Bowlers décidé, c'était une compagnie qui était gagnée. C'est Jamaïcain qui a fait plus gros investissement dans compagnie ça avec les haïtiens, mais c'est Jamaïcains ont décidé, bon, il y a pas qu'à arrêter dans le pays ça, et ils ont fermé. Donc, peu à peu, ils ont vendu tout pour que ont gagné, et puis, production vient retomber, et qui fait que Dominicains reprend marché à, on t'a dit, peut-être à 70-80%, pas qu'on exactement combien, mais avec disparition en production Haïti Bowlers, il y a quelques autres, ferme qui rete, il y a quelques autres entreprises qui créent tout, mais ils n'ont pas arrivé dans le niveau que Haïti Bowlers a gagné. Et donc,
qu'on y a là, nous venons retomber à situation presque qui était avant 2011 et côté Pifoze sorti Saint-Domingue encore. Donc, c'est comme ça la situation. Nous mangeons un pile de nous pas de produits en pile de œufs. Il y a un grand effort qui est fait dans le pays. Nous avons presque repris 50% de marché. Et puis, qu'on y a là, nous venons retomber encore à cause de la situation et sécurité au pays et qui fait que le marché nous venons perdu. Mais ça montre tout. Si nous faisons un effort, nous allons recommencer le produit. Mm-hmm. Parce que nous faisons déjà dans la dernière année, ça y est, jusqu'à il y a 3-4 ans, nous avons repris presque toute, enfin, une grande partie de la marché, nous avons repris les produits Haïti. Mm-hmm. Et maintenant, nous avons un système capitaliste, alors, ou bien nous prétendons nous avons un système capitaliste, automatiquement, bon côté, gain de demande, demande là augmenté de plus en plus, entrepreneurs, investisseurs, yo senti nécessité pour yo venir investir pour yo pour même yo maximiser profit. Ça qui explique que je dis là malgré consommation jeune nous augmenter mais production nous les descend considérablement. Bon, premier facteur, c'est question sécurité. Moi, je dis que plus gros producteur qui t'a fait quoi, c'est peut-être ça le devini, justement, t'es investi dans le pays d'Haïti, parce que l'IOE qu'on marché, et l'IOE tout que le café compétition, l'IOE tout que t'es freiné, les Dominicains, pour des raisons, des cas dit, de santé publique, des raisons sanitaires, de santé vétérinaire, donc t'es décidé, y'a dit, là, qu'on opportunité. Et vraiment, ils ont investi et puis ils ont commencé à rentrer comme bio. Ils ont arrivé à presque 1 million. Mais pour produire, c'est pas seul marché au besoin. Au besoin tout des conditions de sécurité. Donc le, par exemple, ils ont subi attaque. Le marchandise, ils ont bien pour dédouaner pour produire, ils ont bloqué. Le, ils ont kidnappé employé. Eh bien, finalement, ils ont décidé non, ils ont pas fait business en l'autre côté. Donc, c'est ça qui vivait. Donc, qu'on y a là, l'heure où produit du Saint-Domingue, ou pas, il y a tout problème, ça y a, ou juste, bien pour vous et Haïti, eh ben, ça plus facile, et c'est ça qui fait que, production en d'un pays, il vient baisser. Mais faut me dire tout, que production, je, qui c'est pour Dominique, qui c'est pour Haïtien, sont productions qui demandaient en pile intrants étrangers. Premier intrant, c'est-à-dire, demandaient en pile matières premières, demander un pile éléments qui sortent à l'étranger, principalement manger pour là. Manger pour là, Haïti pas produit li. Dominicain pas produit li non plus. Ça veut dire tout ça ou fait pour faire manger pour là ou obligé importer le. Donc, importation, ça fait que entreprise ça yo gen une grande dépendance de l'étranger. Mais ça existait dans un paquet de domaines que tu as gagné indépendance. Mais ça pas c'est pas parce que tu as gagné indépendance qu'on pas qu'à faire. Les Dominicains yo tout yo dépendent de l'étranger pour faire manger pour lui. Mais yo même comme yo est arrivé dans un niveau qui est très élevé en termes de quantité pour cap manger ça, ni pour le cap faire pour viande ni cochon cap manger ça, yo gagné des prix qui très bon. Pour ça, ils ont importé parce qu'ils ont importé des gros bateaux. C'est maï avec une espèce de poids que les soja. C'est lié ont importé pour faire manger pour poule. Dominicain, ils ont même, ils ont pile d'entreprises. Donc, ils ont fait des grandes importations. Et c'est des gros bateaux qui viennent, qui fait que manger a venu puis bon marché. Ou même Haïti, c'est là où c'est un petit bateau. Eh bien, ils vont nous beaucoup plus cher. Ou bien obligé d'acheter le nom dominicain. Ou bien gagner des entrepreneurs, on connaît qui étaient fait tête ensemble avec Dominicain pour que le bateau dominicain est vini, ils auront parti tout qui pour Haïti et ils ont fait le Jean Béfontia. Donc, ça veut dire que on activité en coupe du poule, l'imandé y a un grand niveau d'organisation parce que ni poule là, pas fait Haïti et ni mangia, li pas Haïti et République Dominicaine qui j'en ai même situation ça. Yo même tout, yo dépend de l'étranger pour yo faire production pour yo avec production.
Donc, on dit, alors pour plus de précision, le dialogue, qui sont les gens ou les institutions ont besoin pour les lancer une entreprise comme ça? Est-ce que pour deux yeux, nous exporter aux gens soutenant vers l'international et intérêt, qui est l'autre bagarre, aujourd'hui, a besoin pour lancer une entreprise comme ça? Bon, et pour les marais, ils ont besoin de poules là. Alors, bien pour le pays, mais pour le pays, pas bonne quantité d'œufs au besoin. Et la manger, malgré la manger, il n'y a pas bonne quantité d'œufs. Pour qui ça? Parce que naturellement, pour ne pas supposer bon, toute quantité d'œufs, ça y est. Pour le servir avec eux pour faire des œufs blanches que nous voyons, c'est des poules qui ont été fait sélection. Ça veut dire qu'ils ont choisi des poules pendant plusieurs générations pour être capable de jouer une poule qui baille en pile d'œufs. Mais son poule qui saute, qui pas même qu'à couver, parce que c'est son race que yo on a dit créer avec travail, que yo choisi, yo fait, yo multiplie entre yo pour qu'ils joignent une race qui gagne, qui tel gens. Et puis c'est pour ça que ou gagne. Mais ça prend des années pour faire race ça yo, parce qu'il faut faire un pile croisement, faut faire un pile sélection. Ça qu'on prend 30, 40 ans pour jouer son besoin. Donc, qu'on y a la race pour ça, yo, c'est des grandes compagnies internationales qui gagnent, yo. Et sous besoin, yo, c'est dans main, yo, pour acheter. Sous pas acheter, yo, dans main, yo, ben, ou observer pour le pays. Mais, ou même, ou pas capable, faire, parce que, ou qu'à faire, oui, mais ça prend un mandat 30, 40 ans de travail génétique pour capable de gagner race, ça. Donc, tout le monde qui fait poule dans le monde, yo, dépend de race, ça, yo. Et c'est des grandes multinationales qui possèdent, yo. Donc, yo parle devant nous, yon zye kou va mette couvé. Seul sa ou ka jwenn nan men yo, se zye pou couvé ki pral bon ti poule. Le ou gen ti poule sa, fò leve li. Pou yon poule, ou vle fè pondeuse, fò ke ou ka achete un poule ki pral pond ki soti nan men yo. Poule sa, sou achete ti zye ke ou pral mette nan kouvoi pou kapab bon ti poussin kou pral leve, li pral mande 5 mois anvan ke poule sa ba ou premier zye. Donc, on compagnie tant quoi Haiti Bowlers, ça l'était fait, c'est que l'été gagné couvoir pâle, les acheter œufs qui fertile œufs qui pral bay ti poussin, li mette yo nan couvoir pendant 21 jours, ti poule yo calé, après ça li mette yo nan yon série nan grand caloge côté yo pral grandi pendant 5 mois. Le fin gagné 5 mois qu'on y a là pour ça yo rivé dans l'âge pour yo ka pondre œufs et puis yo commencé pondre, yo pral pondre pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ça, ou même ou gen temps à faire l'autre, ou là, yon fin trois grands monde ou remplacer yon. Et puis, ou gon cycle comme ça. Donc, ça mande yon grand préparation. Si ou pas gagne possibilité pour acheter zye ou même pour faire type pour là, gagne de monde, c'est ça yon fait même. Et yon achete zye qui kabaye type pour là, yon mette yon couvé, et puis yon vend nous, soit yon vend nous type poussin, soit yon vend nous. On poule qui déjà gagne 5 mois. Donc, dans le pays d'Haïti, nous avons gagné plusieurs compagnies qui ont gagné couvoir. Ça veut dire machine côté où on mettre les œufs couvés. Plusieurs. Haïti Bowlers a gagné, et Javec ferme bon temps, Jacques Bontemps a gagné, Signal de la Victoire a gagné, et les Haïti a gagné. Donc, nous avons gagné, et dans le temps, longtemps, ou t'es gagné Prinsa qui t'es gagné, t'es gagné plusieurs comme ça dans le pays. Il y a son bagage que en pile entrepreneur haïtien qu'on fait. Yo vend des petites machines tout petits et gagne même des agronomes tant que agronome qui au caille qui ont compagnie qui les agrogou, les mêmes ils font petit petit. Mais sauf que ou pas cacher dans mes compagnies ça yo des petits petits, faut acheter des grandes quantités. Ça veut dire découvrir qui ca kembe 2000, 3000, 10000 œufs. Et ça c'est vraiment des grandes entreprises parce que machine ça y a besoin courant 24 sur 24 ou gon pan courant tout et pour y aller mourir. Donc faut qu'on gagne infrastructure ça pour préparer couveuse yo et nous gagne dans pays a yo existé et yo était là yo était fonctionné jusqu'à 2018 mais qui compte joindre ça yo qui gagne qui fertile et qui gagne petit poule en dedans yo ça c'est dans main on l'autre compagnie pour acheter. Donc, c'est ce qu'on salte. Alors, en République dominicaine, il y a gagné poule qui préparait ce ça. Il y a gagné ni maman ni papa. Mais c'est pas pour yo, c'est pour des compagnies étrangères qui viennent, qui installent yo la caillou, pour yo capable et pour que yo fait un cycle la caillou. Donc, ça c'est première condition. Donc, faut ou gagne poule là, il me souhaite expliquer pour gagner poule là,
faut gagner couveuse là, faut gagner accès à œufs qui pral bon ti poule là, faut capable caler ti poule là, faut capable lever ti poule là pour tourner en maman poule qui pral pondre œufs. Deuxième bagage qu'on besoin c'est manger. Ou besoin manger depuis notre petit poussin qui pral grandir pour tourner en maman poule, ou besoin manger. Et manger à poule ça yo pondre vrai, yo grandir vite, mais faut yo joindre manger qui équilibré et on mange que en quantité. L'heure où on pour le pays ou la gueule pour aller gager, pour aller manger si vette, cricket, fourmi, ravette, la manger si morceau maïs et puis la dégager. C'est comme ça on pour vivre naturellement. Mais l'heure où gagne 10 000 pour ou grandir, ou pas capable 10 000 pour ça, on mange cricket, ravette, ni pour manger petit maïs. Faut qu'on gagne on mange qui équilibré et en quantité. Et dans le pays, nous pas gagné quantité maïs pour nous faire élevage ça yo, nous pas gagné poids que les soja parce que l'équipe qui bon marché c'est l'équipe qui équilibré, nous gagne notre poids mais qui t'a coûté nous trop cher, donc nous acheter sur marché international ingrédients ça yo pour nous faire pour yo, et c'est manger ça que pour yo va manger pour yo grandir, et là yo commencer pour chaque jour c'est manger ça que yo va manger pour yo capable bon zè, ça veut dire presque chaque jour pral bon zè. Ça veut dire normalement sou gen 100 poule ou ap jwenn n'importe 80 zè chaque jour. Mais pour ça, faut gen manger. Et faut que ou organisé ou pour jwenn manger ça sans manque, parce que si ou manque un jour, ou pa bay quantité manger, pour ça pral bon punition, li gen fè même 2 semaines li pa pond bien pour ou parce que li te fon ti souffri. Donc c'est une entreprise qui mande bon connaissance, on discipline et on bon organisation. Qu'on a là, le non pays qui a un problème côté, on te ka di sécurité, camion capote manger, qui a un problème, n'importe bagaille, problème courant, problème pour couvrir là, pour couvrir là qui va couvrir ti pou yo, tout bagaille ça yo fait que gen un pile monde qui vient décourager. Mais gen monde qui la donne toujours. Moi dis nous que pi grand compagnie a li fait n'importe li, mais gon paquet qui rete toujours. Mais yo pas arrivé nan niveau yo tout ensemble yo pas arrivé nan niveau compagnie ça, donc yo gagne marché là. Si nous joine quelques œufs achetés toujours dans pays là, ces œufs qui fait dans pays là, c'est des compagnies ou des entrepreneurs qui yo même yo investi déjà, yo gagne des petites quantités pondeuses, gen ça gagne 2000, gen ça gagne 5000, gen ça gagne 10000, mais pas rien ça qui gagne 400 500 000 tant qu'on en vend, mais ça yo yo mérité encourager. Et normalement au niveau pour capable bien rentable dans compagnie ça yo, c'est environ 10 000 pondeuses pour ta gagner pour couvrir toute frais yo pour faire l'argent, parce que on va faire en pile l'argent sur chaque grain d'œuf parce que manger à côté très cher, mais si on fait un paquet on va commencer avec l'argent. Donc 10 000 pondeuses c'est un pile investissement. Pour qui ça? Parce que nous estimons que coût pour préparer une maman poule pour commencer à pondre dans la saillot, mettre le cage, bal tout vaccin il besoin, ou a besoin avec toute cage là environ 30 à 35 dollars américains pour chaque poule que vous voulez faire. Donc si vous voulez faire 10 000 poules multiplié par 35 dollars américains, vous allez voir qui quantité l'argent ou besoin. Si vous pouvez vous gagner caloge là, si vous pouvez bâti caloge, si vous pouvez acheter cage, c'est l'argent ça ou a besoin. Donc c'est des investissements qui important, et vous pas qu'à faire pour une petite quantité, parce que l'argent pour faire sur sa grande zéro tellement petit que il pas tellement intéressant. Donc ça veut dire style de production ça yo, c'est des productions intensives qui doivent faites en moins avec des grosses quantités, normalement idéal là pour vraiment rentable. Si vous pouvez prêter l'argent pour faire et business ça, faut arriver aux environs de 10 000 pondeuses, qui sont belles chiffres, mais si nous gagnons 100 monde qui fait ça dans le pays, et bien c'est fini, nous n'avons pas besoin d'acheter des œufs dans le pays étranger encore. Moi, l'article là, et moi,